Maintenir le lien avec son partenaire, même quand on est loin l'un de l'autre ou que l'on a des quotidiens décalés, est devenu infiniment plus simple. Il suffit de passer un coup de fil pour entamer une conversation avec son interlocuteur. Ici, le téléphone portable est une nécessité. Pour d'autres qui pensent que c'est un problème, c'est au contraire. Quand dans une relation amoureuse, pour un homme et une femme, vous avez des enfants, si le mari sort, il veut joindre sa femme à la maison, il fait comment? Pour quelqu'un qui vit pleinement son abstinence, ça cause pas de problème en fait. Ça cause des problèmes pour des gens infidèles. Malgré son omniprésence et les avantages que cet outil de communication offre, l'utilisation du téléphone est généralement perçue négativement dans le cadre de la relation de couple. Le téléphone est évidemment un fléau au sein des couples aujourd'hui. Du moment où l'un des conjoints va se permettre de prendre le téléphone de X ou Y pour le fouiller, on peut tomber sur des choses qui vont porter préjudice. Le téléphone peut, selon certains, augmenter incompréhension et sentiment d'insécurité. Le téléphone étant rendu intelligent aujourd'hui, on a un peu travesti sa fonction première qui était de communiquer. On a donné d'autres usages au téléphone portable et ça cause tous les problèmes que vous voyez. Oui, le téléphone est une source de conflit au sein du couple, mais c'est une hérésie de penser que c'est le téléphone qui a emmené les infidélités et autres. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais chacun, face à ses propres turpitudes, face aux turpitudes de son couple, peut se poser les bonnes questions. On ne se rend pas toujours compte des dégâts que ces habitudes peuvent causer sur la qualité de la connexion au sein des relations. Selon une étude, 58% des jeunes en couple qui ont déjà eu l'occasion de passer une soirée en amoureux sans leur téléphone portable déclarent que cela a eu un effet bénéfique sur leur relation.